Dans cette vidéo, nous travaillons toujours les grands nombres, toujours la compétence 2, écrire en chiffres des nombres dictés ou bien écrits. Je vais te dicter ce nombre et tu pourras le relire puisque je l'ai écrit également en lettres. 62 420 890 003. Petite pause. Si j'ai du mal, je peux réécrire ce tableau avec milliards, mille millions ou sa représentation en traits et je m'arrêterai toujours au mot milliard, puis au mot million, puis au mot mille, puisque ce sont ces trois mots qui vont te donner les classes de nombres. Nous commençons par 62 milliards. Attention, il n'est pas ici la 62 milliards, non. Il n'y aura donc pas de centaines. 420 millions, on sait écrire 420 dans la classe des millions. 890 000, comme ceci. 3, c'est 3 unités. Il n'y aura donc pas de centaines et de dizaines d'unités simples. Voici le nombre réécrit sous cette forme-là. Même travail. Je te dicte ce nombre, 447 milliards 620 millions 200 000 80. Petite pause. Je fais apparaître mon tableau et sa représentation et je m'arrête toujours au bon milliard, millions et mille. 447 milliards 620 millions 200 000 80. C'est 80 unités ou 8 dizaines et 0 unités. Et il n'y aura certainement pas de centaines. Le voici réécrit. Un autre nombre. 40 341 897. Écris-le, petite pause. Voici le tableau et sa représentation. 40 millions. Ah, ne pas se tromper, il n'y a pas de milliards cette fois-ci. 341 000. 897. Le voici réécrit. Un autre nombre à réécrire avec des chiffres. 630 milliards, 520 millions, 350 000, 410. Petite pause. Cette fois-ci, je ne fais apparaître que les petits traits correspondant aux milliards, aux millions, aux milliers et aux unités. 630 milliards, les voici. 520 millions dans la classe des millions. 350 000 dans la classe des milliers et 410 dans la classe des unités simples. Le voici réécrit.